Pourquoi Lenny Kravitz n'a pas couché avec une seule femme depuis des années ? Lenny Kravitz a toujours été perçu par les femmes comme un véritable sex symbole. Il a pourtant révélé qu'il n'avait pas eu de relation intime depuis près de 10 ans. Et figurez-vous que cette période sans S3 qui se n'est pas due à un simple choix de vie ou à une préférence de sa part, mais à une sombre raison liée à son père qui a profondément influencé ses décisions et sa manière d'être. Lenny Kravitz a connu le bonheur pendant des années auprès de l'actrice américaine Lisa Bonet. Au début des années 90, leur couple avait marqué des générations entières, mais tous les deux avaient fini par se séparer en bons termes au bout de 5 ans d'amour. Après son divorce, le chanteur, admiré de toutes pour son charme fou, avait alors enchaîné les relations courtes avec de célèbres mannequins comme Adriana Lima, âgée de 17 ans de moins que lui, Vanessa Paradis ou encore Naomi Campbell. Mais un jour, tout a changé lorsque Lenny Kravitz a été frappé de plein fouet par les souvenirs du passé sulfureux de son père. Après quoi, il s'est juré de ne plus coucher avec une seule femme avant de rencontrer l'amour véritable. Lorsqu'il était petit, le chanteur a surpris une conversation téléphonique entre son père, marié à sa mère Roxy Rocker, et sa maîtresse. The fact that I had all of these backgrounds, you know, growing up with a Russian Jewish father and a Christian African American Caribbean mother, living in Manhattan, in Bed-Stuy, Brooklyn, in New York City, in Los Angeles, in the Bahamas, it was a very, very colorful and rich childhood, which it really was. Provided me with this playground where I could experience and learn all sorts of things. À ce moment précis, j'ai voulu le tuer. Lenny était très en colère, très proche de sa mère. Il ne pouvait pas imaginer une seule seconde qu'elle puisse être trompée par son père. Il avait alors fait le choix de lui tout lui raconter, après quoi elle est apparue totalement effondrée. J'ai vu son âme tomber par terre. Quand le chanteur a confronté son père sur son infidélité, ce dernier lui a alors dit une phrase qu'il n'a jamais pu oublier. « Tu le feras aussi ». Il y a quelques années, il a fini par prendre conscience qu'il ne pouvait pas devenir comme son père en se comportant mal avec les femmes. C'est alors qu'il a emprunté un chemin de vie différent en faisant le choix d'attendre la bonne personne pour donner son corps à nouveau. « Je ne voulais pas être comme ça. Il m'a fallu des années de discipline et de responsabilité pour ne pas laisser mes désirs prendre le dessus sur moi. » À ce jour, Lenny Kravitz n'a pas eu de relation sexuelle depuis plus de 9 ans et il est toujours célibataire en attendant de trouver l'âme sœur. Bien qu'il reçoive toujours de nombreuses avances de la part de la gente féminine, il préfère se concentrer sur lui en faisant du sport et en adoptant une alimentation saine. C'est une chose spirituelle. Je suis devenu très déterminé dans ma façon de vivre. Faire la cour aux femmes n'est pas un problème. Pas si vous êtes célèbre et riche. Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment ? Rien du tout. Je veux rencontrer l'amour véritable.